Fidèles téléspectateurs, amoureux de Numérica TV, bien-aimés frères et sœurs, shalom chez vous, shalom. Les instants Mungunjo chez vous, une famille qui est vraiment bénie de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La confiance que l'on doit renouveler à Dieu, elle est très importante. Nous avions commencé depuis un moment de nous parler de la confiance en Dieu. Et on n'arrête pas de dire, faisons confiance en Dieu, faisons-lui confiance. C'est pourquoi il a compris ce roi en disant, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et en ses prophètes vous réussirez. La réussite est lorsque vous écoutez la parole de Dieu, et l'affermissement c'est lorsque vous entrez en Dieu. C'est pourquoi le même, ils ont compris en disant, ce qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, lorsque tu habites en Dieu, c'est là que Dieu te rend fort. C'est là que Dieu te prépare pour le jour de la bataille. Est-ce que tu es prêt pour le jour de ton mariage? Est-ce que tu es prêt pour le jour de ton travail? Est-ce que tu es prêt pour le jour de tes études? En Dieu, nous réussirons. En Dieu, nous ferons des exploits. Parce que quand nous sommes en Dieu, c'est à ces moments-là que Dieu nous parle. Ayons confiance à Dieu. La confiance en Dieu se témoigne par la prière, se témoigne par des actions de grâce, de jeûne, se témoigne par des offrandes, se témoigne par toutes bonnes choses que l'on peut faire. Que Dieu nous bénisse. Shalom dans vos maisons. Et à très bientôt, nous sommes ensemble. Car Dieu est amour.